sais, le premier mec dont j'étais amoureuse, c'était un vrai minable. Le deuxième, c'était pire. Ma mère m'avait surnommé l'aimant minable. S'il y avait un minable à 100 km à la ronde, il était immédiatement pour moi. J'étais immédiatement attirée par lui. Elle avait peut-être pas tort. C'est en suivant le minable numéro 3 que je me suis retrouvée ici, alors. Puis un matin, je me suis réveillée sans fric, sans amis et sans minable. Et c'est toi qui avais choisi cette profession? Non, non, au début je travaillais dans des fast-foods. Ensuite j'ai essayé de garer des voitures dans les parkings. Ça payait pas le loyer. Je pouvais pas rentrer chez mes parents. Et un jour, j'ai rencontré Kitty. Elle faisait le tapin et à l'entendre, c'était génial. Alors je me suis lancée. La première fois, j'ai chialé. Puis après, j'ai eu mes clients réguliers, alors ça, c'est pas une vocation. Je rêvais pas de ça quand j'étais môme. C'est la vie, c'est pas seulement ça. Fais-toi traiter comme de la merde et tu finiras par le devenir. Moi, je pense que t'es une femme très intelligente, comme on en voit peu. C'est toujours le mauvais côté de la médaille qu'on voit en premier. T'avais jamais remarqué? Non.